Les Palestiniens font un pas symbolique de plus vers la souveraineté internationale. Le président Mahmoud Abbas a déclaré que ses services travaillent à la mise en circulation d'un passeport au nom de l'État de Palestine. En visite officielle à Athènes ce lundi, le président Abbas a fait valoir que son pays ne devrait plus être distingué des autres États dans le monde. Pour ce qui est de la production d'un passeport au nom de l'État de Palestine, nous sommes sur le point de procéder au remplacement du document existant par un passeport d'ici un an, peut-être moins. Nous avons déjà changé toutes les entêtes des documents délivrés par les ministères et les services publics. Ils sont maintenant imprimés au nom de l'État de Palestine. Désormais, nous n'accepterons plus que quiconque utilise le terme « autorité palestinienne ». La déclaration de Mahmoud Abbas intervient alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a relancé le processus de colonisation en Cisjordanie. Les autorités grecques ont quant à elles annoncé dans un communiqué qu'elles ne reconnaissaient pas l'État autoproclamé de Palestine afin de préserver leurs relations avec Israël.